moi c'est Pierre-Yves Sommet, je suis à l'école militaire de l'air sur la base aérienne de Salon-de-Provence. Alors j'ai un parcours un petit peu particulier, c'est-à-dire que j'étais sous-officier dans l'armée de l'air, j'ai passé un concours interne qui m'a permis de devenir officier et là actuellement je fais mes études et je veux passer une licence. C'est pour ça qu'on est raffilié à l'université d'Aix-Marseille et donc c'est avec plaisir que je cours sur les crosses et sur les compétitions universitaires en général. D'accord. Donc tes résultats l'an passé, cette année, ça va? Alors, l'an passé, j'ai couru les crosses universitaires et la piste. Je fais second au championnat de France universitaire à Amiens l'année dernière. Et sur piste, j'ai couru le 1500 mètres. Je fais quatrième des France FSU sur 1500 mètres. Tu pratiques aussi des compètes FFA ou militaires? Voilà, tout à fait. Alors, point de vue FFA, l'année dernière a été un petit peu creuse. Du fait d'une blessure que j'ai traînée un petit peu longtemps. En 2012, par exemple, je fais 17e des championnats de France de cross-cours. Et sur 1500 mètres l'été, j'ai couru 3,49. Et tes impressions sur la course d'aujourd'hui ? La course d'aujourd'hui, le parcours, il se prête vraiment bien au cross. Quand on le voit la première fois, on est un peu étonné, on se dit bon, ça va être un peu monotone. Et au final ça va vraiment bien. Le site se prête bien pour à la partie du cross. La course, on s'est retrouvé vite à deux devant. Donc c'est le jeu, on s'est amusé un petit peu à deux en fait, on s'est taquiné un petit peu et puis voilà, j'ai pu passer devant et puis on verra en France ce que ça donne. Saveur particulière de gagner pour l'école militaire de Salon. Pardon ? C'est une saveur particulière de gagner, de représenter pour son école ? C'est toujours une saveur particulière de courir avec un maillot et de gagner sous ce maillot-là. Donc là, c'est vrai que pour l'école, nous permettre déjà de venir, ça fait plaisir. Après, c'est vrai que gagner pour l'école, c'est bien. Maintenant, il faut gagner un petit peu plus et courir en bleu, blanc, rouge, ça sera encore plus sympa. Et les objectifs pour 2014 ? 2014, une sélection internationale militaire et la même chose en FFSU, on espère. C'est nickel, merci beaucoup. Voilà, merci.